plus de contact avec le président, rien du tout. Non. Depuis le temps que vous étiez en activité. Tout le monde connaissait le président Alassane Ouattara, qui était dans l'opposition, qui était le président donc, du RDR. Tout le monde le connaissait. Mais je n'avais pas eu de contact direct avec lui. Et après ce passage, ce plateau télé de 2010, le lendemain, je reçois un coup de téléphone du président du Sénat actuel, Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui me dit, ah, écoute Raymond, ne quitte pas, je te passe. Il m'a dit, je te passe quelqu'un. Ah. Et donc, j'écoute et puis j'entends la voix. Je me suis dit, non, c'est moi qui... Hein, je ne suis pas bien parce qu'il ne m'a pas dit, je te passe le président. Il m'a dit, je te passe quelqu'un. Et donc, j'entends quelqu'un qui me dit, allô, Raymond, le président, il est très, oui. Très cool. Allô, Raymond, ça va, c'est le président Alassane Ouattara. Je voulais te féliciter, te dire que j'ai beaucoup apprécié ton passage à la télé et je suis très fière qu'il y ait... Mais moi, je ne l'écoutais même plus. Je me suis demandé, mais attends, je rêve ou quoi? Mais j'arrivais même pas à parler. J'étais là, merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président. Wow. Ça a été mon premier contact audio, au téléphone, avec son Excellence, monsieur le président de la République. Et après, on m'appelle un jour, on me dit, bon, il faut que je me rende à la présidence, à la résidence du président. J'arrive. Alors ça, c'est intéressant que je vous dise ça. J'arrive et puis je trouve monsieur Adjoumani, le ministre d'État. Puis je lui dis, mais Adjoum, c'est quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, si tu es ici, c'est que tu es ministre. Ah, ça, c'est Adjoumani, ça. Il me dit, mais si tu es ici, c'est que tu es ministre. Je dis, ah bon, tu es sûr? Il dit, ah oui, si tu es là, c'est... parce que lui, il était déjà ministre, d'accord. Voilà, dans le gouvernement d'Union. Donc, Adjoumani avait déjà l'expérience. Donc, nous, on était là, comme ça. Et donc, j'ai été reçu par le président de la République pour l'entretien, en présence donc, du Premier ministre d'alors, M. Sourou Guillaume. Et c'est comme ça qu'on m'a annoncé que je serai ministre en charge de la famille, de la femme et de l'enfant. Quelle histoire!